Il faut prendre le risque dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Il faut prendre le risque en te projetant, n'est-ce pas, pour un futur meilleur. Et si jamais il arrive que tu échoues, tu ne dois pas appeler ça un échec, mais plutôt un essai. Il faut toujours essayer. Alors, pour ce qui regarde, en ce qui regarde le trading, j'ai toujours dit, si vous avez cette volonté de faire du trading, il ne faut pas hésiter. Si vous n'avez pas les moyens de bord, ok, si vous avez seulement que votre téléphone, vous n'avez pas, n'est-ce pas, de l'argent à investir, si vous n'avez pas de l'argent pour suivre des coûts, je vais vous dire très rapidement ce que vous cherchez à faire. À part le fait que vous pouvez aller sur Google pour faire des recherches, ok, concernant, du moins concernant le trading et comment ça marche, il faut également faire des recherches sur YouTube. Alors, sur YouTube, il y a plusieurs vidéos qui parlent, n'est-ce pas, du trading. Et je suis également d'accord que parmi ces vidéos, il y a des vidéos qui peuvent vous aider, n'est-ce pas? Mais il y a également des vidéos qui vont vous prolonger dans, disons, dans le noir, en un mot. Parce que il y a tellement d'informations que si vous voulez tout assimiler, ça sera difficile pour vous de comprendre le trading. Pourtant, du moins, c'est très simple, ok, de suivre un processus du début jusqu'à la fin. Alors, l'exercice que vous allez chercher à faire, c'est en cherchant à vous lancer dans le trading. L'objectif, c'est de chercher d'abord un mentor virtuel. Alors, un mentor virtuel, ça peut être un YouTuber qui parle uniquement du trading. Ça peut être également un site, n'est-ce pas, internet qui parle du trading. Mais si il arrive que vous choisissez un YouTuber qui parle du trading, il faut seulement se concentrer sur ce seul trader-là. Il faut suivre seulement ses cours. Laissez les autres coups, laissez les autres explications. Il faut seulement suivre ce dernier-là. Et pendant un certain temps. Et après avoir assimilé les coups, il faut faire ce qu'on appelle le récapitulatif. OK? Le résumé de tout ce que vous avez appris, n'est-ce pas, avec ce dernier. Et après avoir fait le résumé, vous allez ouvrir, n'est-ce pas, un compte démo d'abord pour pouvoir appliquer vos savoirs. Ok? Et puisque je sais que vous n'avez pas d'argent, ce que vous allez faire par la suite, lorsque vous avez, n'est-ce pas, maîtrisé votre stratégie que vous allez adapter, n'est-ce pas, sur le compte démo, vous allez, si vous avez un peu de sous, vous allez acheter un compte propre firme. Ok, vous allez passer un challenge. Et comme ça, avec votre stratégie, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'opportunité, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, d'avoir de l'argent, du moins, une grosse somme pour pouvoir bien trader. Et au fur et à mesure, vous allez partager les bénéfices. Alors, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, d'apprendre le trading quand il le faut. Donc, c'est le moment juste
si vous regardez cette vidéo, c'est le moment juste de risquer et d'apprendre le trading. Il ne faut pas attendre demain, ok? C'est dès maintenant, dès cet instant-là. Si vous avez toujours eu cette envie d'apprendre le trading, c'est dès maintenant qu'il faut se lancer. Je vous ai déjà expliqué un peu comment vous pouvez vous lancer avec peu d'argent, sinon avec rien du tout. Et au fur et à mesure, vous allez, n'est-ce pas, lorsque vous allez avoir de l'argent, vous allez acheter le challenge. Mais il faut prendre le risque. Toute chose dans la vie a un risque. Alors, pourquoi ne pas prendre également le risque du trading, apprendre le trading et attendre que dans le futur, vous pouvez, n'est-ce pas, changer quelque chose. Sinon, changer quelque chose dans votre vie. Et si vous ne voulez pas le faire, faites-le pour votre famille, vos proches. Ok? Quand on fait du trading, on ne le fait pas dans l'objectif de tout changer, de vouloir tout changer, mais au moins de changer le minimum au fait. Ok? Et en ce qui concerne le fait que en faisant en prenant ce risque pour faire d'apprendre le trading ou faire même le trading, ça ne changera absolument rien dans votre tâche quotidienne. Si vous travaillez, si vous travaillez, ça ne change absolument rien. Ok, vous pouvez continuer à travailler tout en faisant du trading. Voyez-vous? Donc, c'est le moment propice ou jamais de se lancer. N'attendez pas demain. Il faut le faire dès cet instant-là. C'est très important. Mais pas seulement pour vous, comme je l'ai dit, mais également pour vos générations futures. Voilà. Dans le monde de l'investissement, c'est ça. Il faut penser au futur. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous dit, écoutez, pensons seulement au présent, éloignez-vous de cette personne. Vous voyez, je vous raconte l'histoire d'un monsieur qui aujourd'hui perd à son âme, qui est décédé. Lorsque j'étais enfant, ce monsieur, il allait à l'église. Il avait toujours la visite de son pasteur à la maison. C'était un illettré, un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il avait des constructions et il avait beaucoup d'enfants. Donc ces hommes de Dieu-là, à chaque fois, lui parlaient de la fin du monde. Et ce vieux-là était tellement pris par la parole que ces hommes-là, ces pasteurs-là disaient. Et on lui disait de penser seulement qu'au présent, parce que le futur, il n'y a plus de futur, le monde finira très bientôt, donc il n'aura pas pensé au futur. Et ce monsieur, je vous dis que même comme bien, comme héritage à ses enfants, il n'a rien laissé, il a voulu tout vendre. Il y a d'aucuns même ont dit qu'il a eu à, n'est-ce pas, gratifier à des biens ou à ces hommes, à ces pasteurs-là. Et il est décédé. Mais après sa mort, ses enfants sont restés, n'est-ce pas, dans la pauvreté totale. Je vous dis bien, dans la pauvreté totale. Donc, ceux qui vous parlent, qui vous disent qu'il n'y a pas de futur, éloignez-vous d'eux. Il y a toujours le futur. Du moment que vous faites des enfants, il y a toujours le futur. Il faut toujours penser aux enfants. Même si vous ne voulez pas penser à vous, pensez aux enfants, prenez le risque. Vous prenez le risque et allégez un peu la souffrance des enfants pour demain. Donc c'était juste ça. Et je pense bien que cette vidéo va s'arrêter là. Que le Tout-Puissant reste avec nous. N'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. Que le Tout-Puissant nous protège et surtout qu'il nous donne la santé. Et à nous revoir pour très bientôt. Ciao.